Ottavio Seliani è un regista estremamente interessante, viene dalla Georgia, ha realizzato alcuni film nel corso di una carriera, non molti per la verità, ma tutti estremamente emozionanti, direi. Dal primo, La caduta delle foglie, siamo in un periodo fra il 62 e il 66, a C'era una volta un bello canterino, il film che l'ha fatto conoscere, diciamo, in Europa e al mondo intero, e poi I favoriti della luna, Caccia alle farfalle, Briganti e l'ultimo film, Addio terraferma. Otar, io inizierei dai tuoi inizi di carriera. Tu vieni dalla Georgia, da Tbilisi, e hai cominciato a fare università, medicina, se non erro, e poi scuola di cinema. Ecco, hai lasciato la medicina per il cinema? Excuse-moi, mais tu te trompes, c'est la mathématique que je fais. Ah oui, ok, mathématique. Tant mieux alors. Oui, évidemment, écoute, quand on est jeune, on est naïf et bête, et j'ai décidé de faire la mathématique, parce que j'aimais beaucoup cette discipline, sans trop savoir à quoi ça sert, là. Et après 4 ans et demi d'études à l'université de Moscou, dans la faculté de mathématiques, où on était très très bien servi avec les professeurs merveilleux, là, les plus grands mathématiciens là, du monde, carrément. Un vieux monsieur, un professeur, il m'a appelé un jour, il a dit que venait à la maison de dîner. Est-ce que vous savez à quoi ça sert la mathématique aujourd'hui? Je dis que oui, mais c'est très amusant. Il a dit que ça sert à lancer les missiles, finalement. Et ça sert à la destruction. Pendant que vous êtes encore étudiant, vous avez la possibilité de décider. Vous voulez servir à la guerre ou... Effectivement, dans une semaine sont venus les militaires, les généraux. Ils ont choisi les bons étudiants, parmi lesquels j'étais, parce que moi j'avais la bourse de Newton, ce qui était moins grave que la bourse de Staline. La bourse de Staline, c'était 700 roubles, la bourse de Newton, c'était 400 roubles. Un peu moins, mais Newton, oui. Et ils nous ont amenés dans les usines secrètes sous la Terre. Et là, j'ai décidé qu'il faut... Scappare. Alors, le métier le moins agressif, c'était quand même... j'ai réfléchi à l'architecture, j'ai réfléchi à autre chose. Et je me suis présenté au concours à Dovzhenko. Grande regista russo, Dovzhenko. Un grand metteur en scène russe. Malheureusement, il était mort dans un an et demi. Mais je me suis présenté au concours et j'ai passé. Le concours était très sévère. Il y avait 80 prétendants pour une place. Là. Voilà. Et comme ça, j'ai failli être chassé dans le premier semestre, parce que je foutais rien, et je trouvais ce cinéma tellement primitif que ça valait même pas la peine de travailler. Quel type de cinéma vedevi? Solo le cinéma soviétique ou anche quello degli altri paesi à quell'epoca? Non, écoute, dans le cinéma soviétique, quand même, il y avait des exceptions, comme Barnett, par exemple. Mm-hmm. Boris Barnett, qui était un type tout à fait génial. C'était pas conformiste comme Eisenstein, c'était pas comme Poudovkin. Dovzhenko était autre chose. Dovzhenko, c'était un romantique qui a cru une fois pour toujours que le monde va changer aujourd'hui. Et que c'est justement la révolution d'octobre qui va porter le bonheur au monde entier. À quell'epoca ci credevano in molti. Et ça s'est terminé mal. Parce que, tu vois, les romantiques comme Dovzhenko, il y avait Mayakovsky qui s'est suicidé. Merhold qui était fusillé,
Et Dovzhenko, il était mort d'infarctus parce qu'il était très, très énervé par la censure et par l'administration. Fra i registi che tu ami citare come poi ispiratori, e credo che si vedano molto nel tuo cinema, soprattutto nell'ultimo film, sono anche René Clair e Jean Vigo. Oui, Jean Vigo, écoute, c'est un monsieur brillant. Moi, je pense qu'il a, malgré l'espoir des critiques françaises, il a fait qu'un seul film, il a fait L'Atalante. Le reste, là, tu sais que... Zéro de conduite, ça, ce sont les expériences un peu marginaux, un peu bizarres. Le texte cinématographique n'est pas tellement lisible, mais L'Atalante, c'est un grand classique, là, et ça va rester grand classique. Alors, Tati était mon copain. Quand je suis arrivé à Paris, il m'a accueilli avec les bras ouverts. Il est venu voir tous mes films georgiens, mais il était un grand dépenseur d'argent des producteurs. C'était un type phénoménal, là, quand même, qui était plutôt séduit. Son truc était la technique de cinéma. Il ne pensait pas qu'il était un grand artiste, il pensait que ce qui est très intéressant, c'est le film en couleur, avec les clichés en couleur d'un système tout à fait inexistant à l'époque. Mais tout ce qu'il faisait lui-même, pour lui, c'était très simple. Très simple, il pensait même pas que c'est sérieux. Là. Mais évidemment, Tati, il m'a donné le goût de rendre les histoires tristes comme les gays. Voilà. Ça, je suis très reconnaissable. Il y avait... Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes là, qui m'ont influencé. Je pense que John Ford, avec sa Route de tabac, il m'a rendu très joyeux. Là. Et quand tu vois que dans ce métier-là, on peut arriver au niveau d'un vrai art, là, ça veut dire que ça t'encourage. Dès que je vois la saloperie, ça me décourage immédiatement. Là. Tu sei convinto che il cinema sia un'arte? Tu penses que le cinéma, c'est une art? Moi, je pense que c'est pas seulement un art, là, mais c'est un art tellement concentré et tellement compact qu'aujourd'hui, on peut nommer à peu près quelques centaines de films qui peuvent nourrir l'éducation des jeunes gens. Et je pense que c'est le temps à commencer à enseigner le cinéma sérieusement et donner aux jeunes gens la possibilité d'écrire les thèmes et les rédactions sur ce qu'ils ont vu, de leur proposer à réfléchir. Parce que, tu vois que... À partir de disparition de Pirandello, de Moravia, en France, de Quenon, ce qui était les derniers auteurs de haut niveau, aujourd'hui on est confronté dans la littérature à la médiocrité. Là. Au maximum, ce qu'on peut voir, c'est François Sagan. Là, tu vois, ça se termine là. Mm-hmm. Là. Et je pense que le moment est venu à élever les enfants sur le cinéma et commencer à... Parce que c'est déjà, ça touche déjà presque au moins 60 ans. Mm-hmm. Je parle pas de cinéma muet, idiote, là, qui était le premier pas de cinéma, mais quand le cinéma a commencé à penser, à avoir la musculature de penser, ça commence à être sérieux. Et comme un exemple, et comme l'histoire de la vie, de l'âme humaine, c'est beaucoup très important. Se il cinema è un'arte, e io ne sono convinto altrettanto quanto te, tu ne sei uno dei poeti più deliziosi.
riuscendo a compiere una sorta di miracolo in quest'arte che comunque è un'arte industriale, che nell'ambito di tutte le limitazioni e le pressioni che possono esserci in questo cinema, tu dai l'idea di fare un tuo cinema assolutamente libero, assolutamente rispettoso di quello che è la tua coscienza. Qual è il segreto di questo tuo cinema? Je pense qu'il y a une chose là, tu vois, que d'abord il y a un truc très important, c'est que tu as quelque chose qui mûrit dans ton cœur absolument à communiquer à quelqu'un. Et quand tu as ce besoin-là, tu sais ce que tu veux dire, tu sais de quoi tu dois entretenir un dialogue entre toi et ton ami spectateur. Et dès que tu sais ce que tu veux faire, c'est absolument impossible que quelqu'un t'empêche là. Si tu veux faire tout simplement le cinéma pour faire le cinéma, là, il y a mille obstacles qui surgissent. Mais si tu as un message à transmettre, mais vraiment, c'est irrésistible, je pense. Et d'autre part, il y a une chose qui est importante, même dans la situation de l'Union soviétique, où la censure était très sévère. La censure était très sévère et pesante dans tous les sens, y compris sur les fonctionnaires. Et il ne faut jamais dire que les fonctionnaires étaient tous des salauds et des cochons. Il y avait les fonctionnaires qui avaient la même opinion que toi et qui savaient que c'est sérieux ce que tu veux faire et que ça va rester. Ça va rester comme un document de notre vie et de notre pensée secrète, si tu veux. Et ils t'aidaient. Malgré qu'ils jouaient le rôle des cerbères draconiens qui protégeaient l'idéologie soviétique, parce que le cinéma à cette époque-là ne servait qu'à la propagande. Mais ils faisaient quand même, ils faisaient glisser un peu Tarkovsky, ils faisaient glisser un peu Askoldov, ils faisaient glisser un peu German, ils faisaient glisser Schengelayan, là, je sais pas. Tu vois, c'était le film, par exemple, le film de Georgi Schengelayan sur Pirosmani n'a rien à voir avec la propagande, là. Ou le film de Parajanov n'ont rien à voir avec la propagande. Mais ils soutenaient ce truc-là. Et sans leur aide, malgré l'idée que l'Union soviétique était une forteresse imprenable, je pense que tous les humains sont pareils. Et les fonctionnaires, ils subissaient la même pression que nous. Et il y avait une certaine solidarité entre nous. Voilà. Ma a questo proposito, forse anche l'aver cominciato a fare cinema in Georgia ti ha aiutato, nel senso che c'era comunque una sorta di autonomia rispetto al governo centrale. La Georgia était toujours très très dangereuse pour la Russie. D'abord, les Russes sont les chrétiens nouvellement venus là, dans le monde. Le prince Vladimir de Kiev a chassé la population dans la rivière de Dnepr et les a baptisés de force en 11e siècle. Et la Géorgie était pratiquement chrétienne à partir de début du 2e siècle. Et comme la religion d'État, c'était le christianisme est devenu en Géorgie officiel à partir du début du 4e siècle. Et le complexe des Russes auprès des Géorgiens, parce que les Géorgiens sont devenus chrétiens et ils ont commencé à défendre leur chrétienté, c'est pas du tout un peuple religieux. On déteste les popes, on se moque d'eux. Et les popes en Géorgie sont ivrognes, dégueulasses, les preneurs de pots de vin, n'importe quoi. Mais c'était un principe parce qu'au sud,
sont nées les grandes puissances musulmanes, Iran, Turquie, et au nord, c'était Tchétchénie, Daghestan, Azerbaïdjan, qui était à l'époque, c'était la province d'Iran. Ça veut dire qu'on était bien entouré. Et l'islam, comme tu sais, il interdisait le boisson du vin. Et la Géorgie était fondée sur le vin. On avait à cette époque-là, au début de 16e siècle même, on avait 450 et plus et quelques sorts de raisins. Aujourd'hui, il reste 230, je pense. Et la religion chrétienne est devenue le principe, parce que la religion était liée à l'existence de la grappe. La grappe est devenue le symbole du christianisme en Géorgie. Sur toutes les églises en Géorgie, quand tu passes, il y a le raisin, qui était identifié allora, à la Sainte Vierge. Quando si beve vino, si compie un atto religioso. Mais, écoute, il y avait quelque chose à défendre. Écoute, en tout cas, in ogni caso, il tuo film C'era una volta il Merlo Canterino, se lo consideriamo nel panorama del cinema sovietico di quegli anni, è comunque un miracolo di autonomia e di libertà. Ton film, c'è en tout cas un miracolo. Come hai potuto farlo? Hai trovato difficoltà? Sei riuscito a fare il film che volevi? Tu sais que c'était simple. J'écrivais deux scénarios. Un pour passer la censure. Et l'autre sérieux. Sérieux. Mais où il ne fallait pas changer un mot. Ça devait être identique. Mais comme la censure était le lecteur de texte, et tu peux lire le texte autant que tu veux, tout va bien. Mais quelle mise en scène tu vas appliquer à ce texte-là? Et comment tu vas faire ce truc-là? Ça, c'était absolument incontrôlable. Et il fallait, pour ça que j'ai commencé à faire les découpages, les storyboards, très minutieux et très précis, pour tourner vite. Parce que en Géorgie, normalement, les films se tournaient pendant 5-6 mois, à l'époque. C'était comme ça, tranquillement. Tranquillement, avec calme. Hein. Et au bout de 2 mois, arrivait la commission de Moscou pour vérifier qu'est-ce que... Pendant le tournage, durant les reprises. Comment ça se fait? Montrez-nous la matière tournée, tout ça. Et à ce moment-là, mon film était déjà tourné. Alors, il ne pouvait rien faire là avec ça. Com'è stata l'accoglienza ufficiale del film? Qu'est-ce qu'on dit les bureaucrates quand on vu le film? Tu as eu des problèmes à faire circuler le film? Ah oui, ils cherchaient le symbole. Tu sais que le symbole cherchait... Et tu ne peux rien dire sur l'image où les gens se déplacent, où il y a la mise en scène, les gens se parlent, où, hein, tout va bien. Mais ils cherchaient le symbole, ils cherchaient... par exemple, le film, ils ont senti quelque part que c'est pas très très orthodoxe ce que je fais, mais ils ont trouvé, par exemple, dans le film La chute des feuilles, la cadute delle foglie. C'est ton premier film. Ils ont trouvé un truc, un symbole, que j'ai jamais pensé à mettre. Ils ont trouvé que le tonneau où il y avait le vin rouge de mauvaise qualité portait le numéro 59. Et c'était le 60e anniversaire du bolchevisme à partir de la Révolution. Ah, ils ont dit, ils ne pouvaient pas mettre la main sur le contenu parce que c'était difficile, l'image c'est... C'est traitable différemment, là. Ah, ils ont dit. Ah, le vin rouge, 59, c'est la 60e anniversaire, le vin rouge est pourri, c'est un symbole. Et alors, qu'est-ce qu'il est passé? Ils ont interdit le film pour ça. Mais ils voulaient l'interdire en général, parce que c'était pas un film anti-soviétique, mais c'était un film comme si les bolcheviks n'existaient pas. C'était un film asoviétique.
Et le plus douloureux pour la mafia, de toutes les sortes mafia, que ce soit le KGB ou le Parti communiste soviétique ou la mafia, c'est quand on se moque d'eux. La mafia soviétique aussi, si tu veux, pouvait payer l'argent pour avoir l'image d'être terrible, d'être sans merci, de faire la propagande de leur force, là, de leur force cachée, clandestine. Mais être ridiculisé, c'est la seule chose qu'ils ne supportent pas. C'est toute la tyrannie déteste cette... Voilà. Appunto, hai centrato al cuore, diciamo, quello che è l'essenza del tuo cinema, cioè l'immagine. Anche nel tuo ultimo film i dialoghi sono pochi, contano poco, quello che conta è la forza che esce da questa immagine. Tu vois che il y a un instrument irrésistible dans le cinéma, c'est s'expliquer par les mouvements de la caméra, par le déplacement des personnages, par leurs gestes, par leurs regards, par la situation dans laquelle tu les mets. Alors, c'est tellement riche comme moyen d'expression que la parole, ça appauvrit, de mon point de vue, appauvrit ce moyen-là. Et il y a un langage qui s'appelle langage de... qui a les anciennes racines, là, dans le cirque, dans la pantomime, dans le ballet, si tu veux, tu vois, et surtout comme forme dans la musique. Alors, raconter l'histoire de quelqu'un qui était trompé par son meilleur ami et dont la femme a lâché. Ça c'était déjà fait parfaitement bien dans la pièce de Shakespeare, Othello, par exemple. Ou trouver un type qui cherche la vérité, et qui ne trouve pas, qui fait les pièges à sa maman, à son papa, c'était fait dans Hamlet, par exemple, tu vois. Et autre chose qui était très bien faite et très bien décrite, là, je ne sais pas, dans la comédie de l'art, tout est fait, là, tu vois. Alors, il nous reste de faire le mélange de réalité avec une idée cachée. Ça doit ressembler à la réalité pour être facilement lu. Mais le paradoxe de cette vie est tellement bizarre que on peut présenter une réalité et en même temps glisser, mettre une idée derrière. Qui va faire plaisir à un spectateur averti. De dire que, oh mon Dieu, ça c'est pas mal formulé. Et pour pas mal formuler quelque chose, il faut beaucoup réfléchir. Pour ça, je fais pas beaucoup les films, je fais pas deux films par an ou deux films chaque trois ans. Ecco, questa lentezza nel tuo fare cinema deriva dal bisogno che tu hai di riflettere molto sull'opera. Pas seulement réfléchir, mais tout simplement vivre un peu pour voir qu'est-ce que ça... Quelle nouvelle idée va me présenter ce monde dans lequel on vit? Parce que nous, on pense toujours de tout ce qui nous entoure, là. Et on pense, et parfois on est effrayé, parfois on est choqué, et en même temps, tout ça entre dans la métaphysique déjà connue. À partir des Grecs, à partir de Socrate, à partir de Platon, à partir de y compris Kant, Bon, ça suffit. Et ça entre dans le contexte, là, tu vois, et tu trouves que c'est plastiquement imaginable. Et en ce cas, tu commences à te concentrer, et là, à partir du moment quand l'idée est formulée,
il faut quand même un an de travail pour articuler cette idée-là. Pour... Quindi quando tu pensi a un soggetto, quand tu penses à une idée, à un sujet de ton film, tu déjà vois l'image. Tu penses déjà à une image ou les images arrivent après dans, Non, tu dans... vois que je pense à une partition. Je pense à une partition pour le film. Je pense au langage avec lequel je vais m'exprimer devant le spectateur. Et quand le langage est déterminé, après, il y a mille problèmes. Parce que le choix des acteurs, le décor, les costumes, l'opérateur qui va commettre... Mais heureusement que les opérateurs, heureusement, c'est malheureux, mais l'opérateur, il arrive dernière semaine avant le tournage. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien. Et là, tu dois lui donner l'exposition de ce texte. Ça veut dire qu'il a une partition entre les mains. Et il peut réfléchir. Loubchansky, avec qui je travaille trois derniers films, c'est un monsieur très très attentif et un bon lecteur de partition. C'est-à-dire que j'ai un petit chef d'orchestre d'image et de lumière qui se prépare à part de lui. Et comme ça, ça crée un texte, y compris toutes les erreurs qui peuvent arriver là. Parce que les acteurs mal choisis, c'est une erreur. Les assistants qui te poussent de faire une saloperie, si tu résistes pas bien, si tu es fatigué, c'est une erreur. Mais après chaque erreur, il faut revenir dans le canal principal de ton film. Et évidemment, il faut sauver le film toujours en le montant. Voilà. L'ultimo film tuo, Dio Terraferma, dà proprio l'idea di quello che dice, di essere una sorta di danza, di balletto, in cui la macchina da presa segue questi personaggi senza mai commentarli, ma soltanto vedendoli nel loro agire. Io penso che, tu sai, on a suffisamment, e toi e moi, on a suffisamment vécu sur terre pour comprendre, pour savoir qu'est-ce que c'est la banalité. Alors, la banalité, c'est quand tu commences à répéter des choses déjà faites. Là. Et l'absence de banalité, ça vient de soi. Quand tu es sincère et quand tu as découvert toi-même que de ça, il faut parler, ça, il faut mettre à jour là, devant les gens qui ont soif de la nourriture spirituelle, comme moi et comme toi. On a toujours soif. Le bonheur, c'est aujourd'hui, je t'assure, de voir un film qui me rend joyeux, parce que, ah, je dis, mon Dieu, comme il pense exactement comme moi, mais moi, je n'ai pas pu faire ce truc-là. Voilà. C'est la responsabilité d'être sincère et de ne pas tricher. Et pas faire le cinéma pour faire le cinéma. Ça veut dire que de mettre dans cette enveloppe de cinéma un message qui est important pour toi. Comme tu jettes une bouteille dans la mer, mais évidemment, ça ne sera pas à la portée de tous. Mais il y aura quelqu'un qui va l'attraper. Si ça tombe dans les mauvaises mains, c'est foutu. Mais il y a un espoir que ça tombe dans les bonnes mains. Da quello che dici, si capisce che tu pensi ai tuoi film, al cinema, come a un dialogo fra te, fra l'autore e lo spettatore. Per esempio, Germi, avec Ferroviere. C'était assez jeune, là. J'ai vu la première fois ce film. Ça m'a touché tellement que... Tu sais que ça me fait mal de regarder ce film en cassette. Ça m'a touché
C'était tellement important le message de vivre sa vie, de jouer la guitare et mourir avec la guitare. Là. Avec tous les problèmes de la vie quotidienne, de saloperie, de femmes, des enfants, de mariage, de remariage, des comptes entre... et vivre, tout simplement. Et chanter et mourir comme ça. Mais je t'assure que dans le cinéma italien, malgré la présence des génies considérés comme les grands, un film sincère et simple comme ça, j'ai pas une autre valeur. Évidemment, il y a un autre film, Il Miracolo à Milano, là, qui a le même issue que le mien. Mais bizarrement, j'ai découvert il y a 3 jours. Là. Il y a 3 jours? Oui. Les miens, ils s'en vont en mer, sans aucun espoir, mais pour un petit moment de bonheur. Là. Et les personnages de Dessica, ils vont dans le ciel. Sans aucun espoir, on connaît que, malgré le fort catholicisme, c'est un film anticlérical, carrément. Là. Ce qui est vrai, qu'il y avait une chose dans ma vie qui ne m'a pas influencé du tout. Je ne suis pas apologuette de quelqu'un qui peut répéter les choses. C'était quand même Federico, là, qui est devenu mon ami intime. Là. On ne s'est pas vu plusieurs fois. On s'est vu une dizaine de fois, en tout pour tout, dont 3 fois on a mangé, tout simplement. Et il était très fasciné par la quantité de la grappa que je buvais là. La vodka, ou la provocateur, grappa. Là, carrément, un vrai provocateur. Non, grappa. Grappa. Il me disait, tu peux encore boire? Oui, je peux. Comme un crétin, comme un con, je buvais pour lui montrer que je peux encore boire. C'est vrai que je supportais pas mal l'alcool et je continue à supporter pas mal l'alcool. Mais pour lui, c'était absolument incohérent avec le métier. Il pensait que le metteur en scène ne doit pas boire. Et il me disait, mais non, tu n'as pas raison. Et moi, je considère ce métier, comme je suis géorgien, si j'arrête de boire et si j'arrête de fumer, merde, alors je deviens tellement sérieux que c'est insupportable. Nel tuo ultimo film tu ti sei ricavato una parte che reciti tu stesso, la parte del padre che appunto trova piacere nel bere. C'est un tout petit peu l'apologie de toi-même. L'apologie de vivre comme il faut vivre. Là. Mm-hmm. Parce que tu sais qu'il y a un bon proverbe russe. Ça se dit que Tony courit in ipiot. Alors, la question c'est pourquoi tu as joué le rôle du père dans le film, toi-même. Moi je pense qu'il y a deux choses qui ont déterminé ce truc-là. Parce que je voulais avoir quelqu'un qui présente un certain classe, là, si tu veux. C'est pas parce que moi je présente un classe, là, classe de... Mais tout simplement pour voir quelqu'un qui est tout à fait différent des autres. Et comme moi je suis différent des autres... Pourquoi tu es différent? Même en France, des autres, pourquoi tu es différent? Parce que je suis géorgien. Mm-hmm. Seulement pour ça? Oui, seulement pour ça et aussi par mon passé, par tout ce qui est derrière là. Et comme ça, on a joué ce rôle-là pour mettre deux messieurs âgés en compagnie. Et il fallait chanter en deux voix. En deux voix. Et maintenant, vas-y, trouve en France quelqu'un qui peut chanter deux voix là. Difficile. C'était beaucoup plus économique, beaucoup plus facile, beaucoup plus direct. Et comme ça, la décision a tombé que je fais ce truc-là. Malgré que je ne suis ni acteur et j'aime pas faire ça,
parce qu'il fallait se déchirer entre la caméra et se mettre devant la caméra. Je ne sais pas comment il faisait, la Buster Keaton, je pense qu'il avait un metteur en scène. Là. Et soprattutto in questo film tu lavori con degli attori giovani, non danno l'idea di essere grandi professionisti, ma ecco, qual è il tuo segreto? Come dirigi gli attori sul set come regista? Quelle è ta manière de donner la direction sur le plateau? Tu sais que je sens l'odeur de talent et d'importance, de personnalité, comme je sens chez toi, par exemple. Mais tu... Je sais que, qui tu es là. Tu as une odeur de personnalité, tu vois. Mais tu donnes des indications ou tu laisses faire l'acteur? Non, non, le chemin le plus court, je leur montre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Au lieu de parler, expliquer et leur laisser à deviner, comment, à décider comment ils vont faire. Je leur montre exactement comment ils doivent faire. Ils font ça à leur manière, comme ils veulent, mais le langage de montrer et de démonstration, de croquis de rôle, tu vois, des nœuds principaux du rôle, ça c'est très important, je pense. Hein. C'est le chemin le plus court. Ce que tu ne peux pas faire, comment je peux montrer à Depardieu ou à Catherine Deneuve comment elle doit faire. Si je montre à Catherine Deneuve qu'elle doit être idiote et faire des trucs comme ça, elle ne saura jamais faire. Parce que c'est une grande poupée monumentale, oui, qui peut jouer seule chose. Elle peut tout simplement être bien coiffée et triste. Avec un secret féminin dans le ventre. C'est tout, quoi. Tu peux pas. Et dès que je vois les gens vivants autour de moi, par exemple, la fille de café était jouée par une vraie servante. Mm-hmm. Ouais. Le garçon qui est issu de la famille riche, c'est mon petit-fils, je le connais. Il est bien enfermé, il est bien blondé, et c'est très bien qu'il est enfermé et pas du tout avec les yeux pétillants. Et ça, j'aime beaucoup ça. Il fallait lui montrer qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit se déplacer, jusqu'à où ça il suffit. Doit aller, et ça suffit. Ça suffit. Ouais. Et il ne faut jamais expliquer aux acteurs, malgré le système de célèbre système de Stanislavski, qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je fais et jamais. Pourquoi je fais. Jamais. Jamais, il ne faut pas expliquer ça, il faut montrer. Là. Mais je pense que c'est la manière de diriger les acteurs la plus compréhensible, parce que je leur parle plastiquement dans le langage qui est tout de suite répété à leur manière. Abbiamo detto prima che tu sei un regista poeta, non c'è dubbio su questo. Pensi che il cinema sia la sola forma espressiva per te o potresti anche esprimere la tua poesia con altri, in altre forme? J'aime pas être amateur. J'aime pas être amateur. Écrire en géorgien ou en russe, malgré que je pense que je prétende connaître la langue russe comme Léon Tolstoï, tout à fait tranquillement. Mais écrire en langue russe, la langue, ça glisse, ça se déplace là, avec le temps. Et écrire aujourd'hui, pour moi, en langue russe, ça signifie de retourner 40 ans avant, en arrière. Parce qu'ils sont devenus tellement vulgaires, tellement formels, tellement sans vergogne, là, les écrivains d'aujourd'hui, que
Si le lecteur d'aujourd'hui russe est habitué à ça, c'est un argot qu'il utilise. Là. D'abord, il utilise tous les mots grossiers. Là. Que, par exemple, à l'époque de Pouchkine, on mettait trois points. Là. Mais maintenant, ils écrivent carrément... c'est devenu le style. Là, si tu veux. Alors, écrire en amateur, ça, je veux pas. Ouais. Peindre en amateur, j'aime pas beaucoup. Composer? Faire la musique en amateur, j'aime pas du tout. Alors, seul métier et mon dernier repère... Le théâtre? Non, le théâtre. Le théâtre, c'est encore plus compliqué. C'est mon métier de cinéaste. Alors, c'est le seul langage que je possède et que Dieu fasse que je me fatigue pas et que je continue dans le même domaine. Mais, parce que autre chose, c'est... Tu sais que c'est comme un hobby. Hobby, oh, yes. Ouais, alors, comme je ne suis pas ni joueur ni hobbyiste, je préfère de faire ou une chose et en plus, et enseigner, je ne peux pas non plus. Parce qu'il y a un proverbe, celui qui fait, qui sait faire, il travaille. Celui qui ne sait pas faire, il enseigne. Countries that know only the springtime and you green fields with your setting of hair.